Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de l'OTV TV. Dans cet épisode, on va revenir sur les différents matchs qui se sont déroulés donc le week-end du 11 mars. Et ben, pour commencer, comme d'habitude, voici quelques images. Vendredi soir, nos seniors filles 3 ont perdu 39-53 contre Saint-Jérôme. Et donc maintenant samedi, nos 11 poussins 3 ont gagné 23-9 contre Volvestre. U17 CTC 2 défaite 37-48 contre Tournefeuille. U17 CTC 1 défaite 59-62 contre Martigues Sport. Et donc dimanche, U15 CTC 1 victoire 71-37 contre Montauban. Et donc désormais match à l'extérieur, samedi, nos 11 poussins 1 se déplaçaient à Verfeil où elles ont gagné 22-10. Nos 11 poussins 1 se déplaçaient au nord-est toulousain et ont gagné 21-11. U15 CTC 2 défaite 59-17 contre Cornebarieux. U13 Benjamin victoire 63-24 contre Rignac. U11 poussins 2 défaite 22-10 contre le TBC. U15 Garçon 1, victoire 89-81 face à Tournefeuille. U15 Garçon 2, victoire 55-35 contre Toulouse-Lardenne. Pour terminer donc les matchs de samedi, Senior Garçon 2, défaite 70-62 contre Saint-Horace. Et donc désormais dimanche, nos U20 Garçon 2, défaite 65-54 à Cahors-Sauzet. Et donc pour terminer les matchs de ce week-end, U17 CTC 1, défaite 77-71 contre Semarac. Et donc maintenant c'est l'heure donc, de l'action du week-end. Donc ce week-end est donc attribué au Hivernais avec un superbe jeu collectif de passes, un petit spin move à la fin pour terminer. Magnifique. Désormais c'est l'heure de l'affiche du week-end. Donc le week-end prochain, le samedi 18 mars à 18h30, nos seniors garçons 2 recevront l'équipe 2 de Hoche et seront ensuite suivis à 21h par nos seniors garçons 1 qui recevront donc l'entente Masse d'Aubignon Saint-Louis. Deuxième information importante, les demi-finales de la Coupe de la Garonne qui se dérouleront donc à Saint-Aurens le 22 et 23 avril. Donc essayez d'être nombreux pour venir soutenir nos seniors garçons et le lendemain nos seniors filles.
Troisième information, le samedi 25 mars, donc le match handisport dont on a déjà parlé. Donc match handisport suivi ensuite du match des seniors vers 101 et où sont prévues donc de nombreuses animations. Donc soyez nombreux à venir, que ce soit pour soutenir nos seniors ou aussi pour découvrir le handi basket si vous ne connaissez pas et les soutenir également bien sûr. Et enfin, quatrième information, mais pas des moindres, le questionnaire sur le TBTV. Donc on vous invite à remplir pour donner vos avis et vos idées potentielles. Donc voilà, hein, quelques personnes ont déjà répondu et nous ont donné quelques idées. Donc si vous en avez, n'hésitez pas, c'est que du bonus. Et c'est donc désormais la fin de ce 15e numéro de l'OTBTV. Donc je vous laisse réfléchir à toutes ces informations. Et quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le numéro 16. D'ici là, j'espère que tout ira bien. Et surtout, n'oubliez pas... Garçons étaient présentes. Hugo Rollin et Paul Lelièvre ont donc été...